nord de Paris, la basilique de Saint-Denis est une église vénérable où l'on enterrait autrefois les rois de France, de Dagobert au Bourbon, en passant par Pépin le Bref. Saint-Denis a fait coïncider le cinquantenaire du diocèse avec le jubilé de la miséricorde. Le dimanche 17 avril 2016, le secteur pastoral du Blanc-Mesnil, animé par les spiritains, a convergé vers la basilique. Une centaine de paroissiens y sont allés en bus, un groupe est allé en vélo et d'autres sont allés à pied. Sur le chemin, les pèlerins s'arrêtaient de temps en temps pour méditer des extraits de la Bible et prier. Reprendre, hein. Donc, l'idée du jubilé, c'est une idée qui vient de la première alliance, hein, et qu'on retrouve dans les Lévitiques 25. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Arrivé devant la basilique, les pèlerins furent accueillis par un prêtre diocésain, le père Bertrand Collignon, qui leur parla de l'histoire de Saint-Denis et de la construction de l'église. Alors, au IIIe siècle de notre ère, il y a Saint-Denis et ses compagnons qui sont venus annoncer la bonne nouvelle à Paris, enfin qui n'était pas Paris à l'époque, c'était Lutèce, quelque chose comme ça. Et donc, ça n'a pas plu aux gens du coin et ils se sont fait martyriser du côté de la butte Montmartre. Ensuite, il leur ouvrit la porte sainte du jubilé et les guida à l'intérieur de l'église. Elle est représentée ici par ce tombeau de Dagobert. Vous voyez déjà, par rapport aux autres saints, Dagobert, il est sur le côté. Par rapport aux autres saints, par rapport aux autres gisants, aux autres rois, Dagobert, il est sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il regarde qui? Monseigneur de Roubaix, il a choisi d'être enterré dans son pays d'origine, dans le Nord. Mais voilà, d'une certaine manière, il a voulu être apôtre de nous, dans sa vie, mais aussi dans sa mort. Et on peut prier pour lui, on peut lui demander de prier pour nous. Comment Blanche annonce à Marie qu'elle va recevoir l'Esprit Saint pour donner naissance à Jésus. Et c'est ce qui s'est réalisé juste au-dessus, vous voyez, vous avez Marie qui donne naissance à Jésus et les anges qui chantent la gloire. Après cette visite guidée,
les pèlerins partagèrent les repas qu'ils avaient amenés dans leurs sacs. Puis ils écoutèrent Madame Danielle Guerrier leur présenter le thème de la miséricorde dans la Bible, thème qu'ils méditèrent ensuite en petits groupes. Une fois que je vous ai dit que nous n'avons pas un seul mot pour traduire miséricorde, je vais vous dire que quand même le mot le plus courant, alors je vais juste dire un mot en hébreu puis après vous avez oublié, ça se dit rahamim. Alors les rahamim en hébreu, ce sont c'est le sein maternel. Hein, c'est plus que les entrailles, hein, y a un autre mot pour entrailles. C'est le sein maternel. Le pèlerinage fut clos par une messe avant le retour à la maison.